Reasons why God wants you to suffer. Raisons pour lesquelles Dieu veut que vous souffriez. Number one, God wants you to suffer. Dieu veut que vous souffriez. Because it pleases Him. Parce que ça lui fait plaisir. Isaiah chapter 53. Isaïe 53. Verse 10. Verset 10. Yet it pleased the Lord to bruise him, and he hath put him to grief. Il a plu à l'Éternel de le blesser. It pleases God. Il a plu à Dieu. That you suffer. Que vous souffriez. Hey. Hey. Does God sound wicked? Est-ce que Dieu a l'air méchant? Somehow. D'une manière Isaiah. Esaïe. I didn't write the Bible. C'est pas moi qui l'ai écrit. Chapter 53. Chapitre 53. Verse number 10. Verset 10. Yet it pleased. Il a plu. The Lord. À l'Éternel. To bruise him. De le briser. And he has put him. Et il a mis. To grief. À la souffrance. Amen. À la souffrance. Are you listening? Est-ce que vous m'écoutez? Hallelujah. Hallelujah. God is happy. Dieu est content. When you experience quand vous expérimentez certaines souffrances. Yes, it's difficult to believe, but it's true. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. One day, un jour, my child was going to secondary school, boarding school. Mon enfant partait à l'internat. And I knew. Et je savais. He was going to suffer. Qu'il allait souffrir. In the school, because I suffered in the school. Parce que moi, j'ai souffert à l'école. But I was very happy. Mais j'étais content. That he was going to suffer. Qu'il devait souffrir. Hey. Hey. Because. Parce que. I realized that they did not realize. Parce que je me suis rendu compte qu'ils ne se rendaient pas compte de certaines choses que je leur disais toujours. They don't listen. Ils n'écoutaient pas. Yeah. And I knew. Je savais. That. Que. When they go. Quand ils partent, to the boarding school, partent à l'internat. And they punish them. Et ils sont punis. And they torture them. Et ils le torturent. When I say wake up, quand je leur demande de se lever, et ils ne se lèvent pas. I said something. J'ai dit quelque chose. Wake them up. Va leur réveiller. When they go to the school, quand ils vont à l'école. 5 a.m. À 5 heures. Awake. Réveillez-vous. When I come to their room, quand je viens à leur chambre, j'ai dit arrangez la chambre. They don't mind me. Ils ne m'écoutent pas. Okay. J'ai dit ok. Something. Quelque chose. Will show you. Vous montrera. How to tidy. Comment arranger hey! La chambre. When I say. Quand je dis. This food in the house. Cette nourriture à la maison. Is nice. C'est bon. Eat it. Mange-le. They don't eat it. Ils ne veulent pas manger. I said, you are going to a place. J'ai dit, vous allez à un endroit. You will see something. Quand vous allez voir quelque chose. You will only be dreaming. Vous allez rêver seulement. To come back home. De revenir à la maison. And eat it. Et le manger. This food that you are wasting. Cette nourriture que vous gaspillez. So when my child was going. Quand mon enfant partait to boarding school, à l'internat. I was smiling in myself. Je souriais à moi-même. I was very happy. J'étais très content. I was excited. J'étais enthousiasmé. I knew they were going to suffer. Parce que je savais qu'ils allaient souffrir. It pleased me. Et ça m'a plu. That they were going to suffer. Qu'ils devaient souffrir. You see, there are things God has been telling us. Il y a des choses que Dieu nous dit. We don't mind him. Mais on ne l'écoute pas. He reminds us. Et il nous rappelle. We don't obey him. On ne l'obéit pas. He speaks to us. Il nous parle. As if he is mad. Comme s'il est fou. So God sees certain things that are coming. Donc Dieu voit certaines choses arriver. And he knows. Et when you pass through it all. Il sait que lorsque vous le traversez, all the things he has been saying. Tout ce qu'il disait, you will now believe them. Vous allez le croire plus encore. And do them. Et vous allez le faire. So he's very happy. Donc il est très content. That thing is coming. Que cette chose arrive. Even though you will cry. Bien que vous allez pleurer. When my son went to boarding school, quand mon fils est parti à l'internat, I told him, je lui ai dit, because of your color, à cause de ta couleur, you will suffer, tu vas souffrir, in the school, à l'école. And when he went, quand il est parti, he really suffered, il a vraiment souffert. Yeah, oui. They call you red. Ils l'appellent rouge. Lebanese man. Libanais. Come here. Viens. When he went to the school, quand il est parti à l'école, one of my sons, un de mes fils, he said, go and stand in the corner. Il dit, mets-toi au coin. I'm learning. J'apprends. Pray for me.
Il faut prier pour your moi. Father is a pastor. Ton père est pasteur. So from 10 o'clock in de the 10 night. Heures, le 22 heures, to 3 a.m. jusqu'à 3 heures du matin. So stand there. Reste là-bas. Pray. Priez. For me. Pour moi. Because I'm studying. Parce que moi j'apprends. Yeah. What a shock. Quel choc. Yeah. It took a belt. Il prenait des ceintures. And beat him. Le frappait. Hey. After the first one went, après que le premier soit parti, he became lean. Il a maigri. Lean. Il a maigri. Ooh. When he came quand home, il est rentré, and he saw the food, et il a vu la nourriture. He started eating. Il a commencé à manger. Like a hungry lion. Oh, un lion affamé. So that he has now seen what is in the house. Il a vu que ce qu'il trouvait à la maison. One day, un jour, he said, il a dit, the food in this house is very nice. La nourriture dans cette maison est très bonne. I used to wake them up to go to school. Je les réveillais pour aller à l'école. To learn. Pour apprendre. They wouldn't learn. Ils ne voulaient pas apprendre. They wouldn't wake up. Ils ne voulaient pas se réveiller. But when they went, et quand ils sont partis, there is something called rising bell. Il y a quelque chose qui s'appelle king, la king, cloche king, 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 de, king. De réveil. If you are a man, si vous êtes un homme, sleep on the bed, non, you see something. Vous allez voir quelque chose. After the two, my two sons went, après le départ des deux fils, my daughter, ma fille, was about to go. Elle devait sur le point de partir. When I used to wake her, quand je la réveillais aussi, to learn, pour apprendre, she wouldn't learn. Elle ne voulait pas apprendre. I used to wake myself. Je me réveillais. She wouldn't get up. Elle ne se réveillait pas. Then I bought an alarm clock. Donc j'ai acheté un réveil. Small one. Un petit. I gave it to je lui ai donné. Said, this one j'ai dit, to wake you. Ça va te réveiller. One day I came. Un jour je suis venu. Said, where is the alarm? J'ai dit, où est le réveil? I don't know. Je ne sais pas. So, I bought another one. J'ai acheté un autre. I gave it. Je lui ai donné. I said, you have to learn. J'ai dit, tu dois apprendre. When I came. Quand je suis revenu. Said, where is it? Il est où? It is there. Il est là. Why do you not wake up? Pourquoi tu ne te réveilles pas? I don't hear it. Je ne l'entends pas. Hey! Hey! So, I went and I bought a third one. J'ai acheté un troisième. Very big like this. Un gros comme ça. Big. Gros. Metal. En fer. And I brought it. Je l'ai amené. Said, this one. J'ai dit ça là. It will wake you. Ça va te réveiller. Wind it. Et puis il faut le tourner. When I came. Quand je suis arrivé. I said. J'ai dit. Why did you not use pourquoi the tu alarm n'as pas clock? Utilisé le réveil? I don't hear it. Je l'entends. I said. You will hear something. Tu vas entendre quelque there is chose. Something you will hear. Il y a quelque chose que tu vas entendre. Then one day, un jour, one of my sons, un de mes fils, he said, il a dit, Daniela is going to boarding school. Daniela part à l'internat. It is good. C'est bon. I said, what? Je dis quoi? He said, it is good for c'est her bien, to go. C'est bien pour elle. She will see something. Elle va there. Voir quelque chose. She has to see. Elle doit voir. So you see, donc vous voyez, when the Bible says, quand la Bible dit, it has pleased il him a plu à l'Éternel to bruise him, de le briser. You may not understand vous it. N'allez pas comprendre when the Bible says that, ce que, pourquoi la Bible le dit. God il a plu à l'Éternel pour que son enfant expérimente certaines souffrances. One day, un jour, I was experiencing some terrible suffering. J'ai expérimenté des souffrances that terribles had no reason qui n'avaient pas de raison for me to experience. D'être, pour que je les expérimente. At the end of the unreasonable suffering, et à la fin de cette souffrance, I heard the Holy Spirit whisper, j'ai entendu le Saint-Esprit souffler, me souffler. I'm sorry. Je suis désolé. Sorry. Désolé. I had to do it. Je devais le faire. I had to do it. Je devais le faire. Ooh. Oh. Sorry. Je suis désolé. Hey. Hey. One day, un jour, I saw a certain brother. J'ai vu un certain frère. Crying. Il pleurait. He was crying from this place. Il pleurait like d'ici. Convulsions. Convulsions. Avec des convulsions. And I said, j'ai dit,
God is wild. Dieu, il est vraiment sévère. Everybody has a place. Tout le monde a un endroit. Where it can pain you. Où ça peut faire mal. I tell you. Je vous le dis. You may never know. Vous ne saurez jamais. Limited. S.A. There is something that can pain you. Il y a quelque chose qui peut vous causer la douleur. Yeah. And God knows that place. Et Dieu connaît cette place. Number two. Numéro deux. Why God wants you to suffer? Dieu, pourquoi Dieu veut que vous souffriez? God wants you to suffer. Dieu veut que vous souffriez. Because suffering. Parce que la souffrance. Will make you perfect. Fera de vous, vous rendra parfait. Hebrews chapter 2 verse 10. Hébreux 2 verset 10. For it became him who, through whom are all things. By whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Verset 10, Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. God wanted to make the captain perfect. Dieu voulait rendre le prince parfait. Through suffering. Par la souffrance. A leader. Un leader. Who has not suffered. Qui n'a pas souffert. Is not perfect. N'est pas parfait. Not mature. N'est pas mature. Yeah. You may know a lot of things. Vous pouvez connaître beaucoup de choses. But you are not mature. Mais vous n'êtes pas mature. When you are mature. Quand vous êtes mature. You will know. Vous saurez. That things do not work. Que les choses ne fonctionnent pas. By only principles. Pas seulement les principes. And steps. Et des étapes. When you see somebody. Quand vous voyez quelqu'un. Who has not suffered qui before. Qui n'a jamais souffert. He speaks big things. Il parle de grandes choses. Hey! Plans. Des plans, des projets. We are going to do this. Nous allons faire ceci. We are going here. Nous irons ici. That because he has not suffered. Parce qu'il n'a pas souffert. He does not speak in a mature way. Il ne parle pas d'une manière mature. So when God wants to make his captains. Donc quand Dieu veut rendre ses capitaines. Everybody say his captains. Dites ses capitaines. Wow. Mature. Mature. Or perfect. Ou parfait. He allows them intentionally. Il, de manière intentionnelle, il permet à ce qu'ils souffrent. Yes. Oui. One day. Un jour. I met a pastor. J'ai rencontré un pasteur. Who criticized me. Qui m'a critiqué. For my books. Pour mes livres. That I had written. Que j'avais écrit. On loyalty. Sur la loyauté. And he said. Il a dit. There is no need. Il y a pas besoin. To write such a book. Tu n'as pas besoin d'écrire un tel livre. This brother is older than me. Il est plus âgé que moi. And he had been a pastor before me. Et il était pasteur avant moi. He was not a slow coach. He's c'était a fast encore, coach. Non, c'était. Il était he was a pastor long. Before me. Il était pasteur avant moi. Yeah. And he had a church. Il avait une église. I sat there when he preached. J'étais là assis quand il prêchait. But he criticized me. Il m'a critiqué terriblement. For my books. Pour mes livres. It's not necessary. C'est pas nécessaire. He said loyalty. Il a dit la loyauté. Is by your life. C'est par votre vie. People will. Les gens be loyal seront loyaux. Through your life. Par votre vie. If you are a good si leader. Si vous êtes un bon leader. One day, un jour, I heard another pastor just like this. J'ai entendu un autre pasteur he juste said, comme ça. The sign that you are a bad leader. Il a dit le signe que tu es un mauvais leader. Is that people leave you? C'est que les gens vous quittent. Uh-huh. When people leave you, it's quand les a gens sign vous quittent, c'est un signe. That you are a bad leader. Que vous êtes un mauvais that's leader. That's the sign. Ça c'est le signe. So if you want to know who is a bad pastor, si vous voulez connaître un mauvais pasteur, when people leave, c'est quand les gens quittent. This is what he said. C'est ce qu'il a dit. I said okay. One day, un jour, this pastor who said
people leaving you is a sign. Ce pasteur qui disait que quand les gens vous quittent, c'est un signe. A bad wind. Un mauvais vent. Blew on his church. A soufflé sur son église. And blew away. Et a soufflé. His main assistant pastors. Ses pasteurs assistants principaux. They were blown away. Ils se sont envolés. And I remembered immediately. Et je me suis rappelé tout de suite. What they said. Ce qu'il avait dit. That when you are a bad leader. Que lorsque tu es un mauvais leader. You see that people leave you. C'est là où les gens vous quittent. Wow. This pastor who was criticizing me. Ce pasteur qui me critiquait. About my books. À propos de mes livres. His main assistant. Son assistant principal. Whom he has been with for many years. Avec qui il était depuis des années. Turned against him. Il s'est tourné contre lui. And fought him. Il a battu, il se battait avec lui. Bitterly. Terriblement. I met him somewhere. Je l'ai rencontré quelque part. And I mentioned this guy. Et quand j'ai mentionné le nom I de said, ce gars, I hear this. J'ai dit que ce gars, then he started to shake il like a commencé this. À trembler. When I mentioned his name, quand je mentionnais he wanted son nom, to speak a curse. Il voulait maudire. Wow. And he told me. Il m'a dit. That's your book. Ce votre livre là. I was formerly criticized. Ce que je critiquais auparavant. It's a very good book. C'est un très bon livre. And the Holy Spirit had already told me. Et le Saint-Esprit m'avait déjà dit. Even though this man was preaching before que bien que cet homme prêchait avant toi. There are things that he doesn't know. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Yeah. Because somebody can be there before you. Parce que quelqu'un peut être là avant vous. But there are things that he will not know. Mais il y a des choses qu'il ne savent pas. About some areas. Il ne sait pas. So don't be worried. Donc ne t'inquiète pas. S'ils te critiquent, parce qu'ils ne connaissent pas certaines it's choses. True. Et c'est vrai. One day, un jour, I saw a certain pastor. J'ai vu un certain pasteur. He had a good marriage. Il avait un bon mariage. His wife was a virgin. Sa femme était vierge. It's not easy to get a virgin. C'est pas facile de trouver une vierge. He married a virgin. Il s'est marié avec une Scripture vierge. Scripture Union girl. Elle était quelqu'un de la ligue pour la lecture nice de la Bible. Nice girl. Une gentille fille. And he had a he lived happily ever. Et il vivait heureusement after with his pour wife. Le reste de sa vie avec sa femme. So when one day he saw a donc pastor, quand il a vu un pasteur, whose wife à qui la was femme like a lioness. Était comme une lionesse. He didn't understand il it. Ne comprenait pas. Why? Pourquoi? Criticizing. Elle critiquait. Talking. Elle parlait. Why? Pourquoi? Because he had a perfect. Parce que lui, sa femme and était parfaite. And one day this pastor whose marriage was fire every day. Et un jour, ce pasteur dont le mariage était du feu tous les jours. He was telling me. Il me disait. He said, I met my wife. Il a dit, j'ai rencontré only 2 weeks. Ma femme 2 semaines. And I married et her. Et je l'ai épousée. By you. Mais toi. You saw your wife in tu school. Tu as vu ta femme à l'école. You grew up with her in school. Tu as grandi avec elle. And you married her. Et tu l'as épousée. I didn't know anything. Mais moi, je ne savais rien. I saw her. Je l'ai vue. In the church. À l'église. 2 weeks. 2 semaines après. I married her. On s'est mariés. And she was a gun. Elle était. It's a very dangerous thing to marry a gun woman. C'est très dangereux de épouser une femme gun, hey! Un tribu gagné. It's a liability. Si elle n'est pas contrôlée, c'est vraiment. Yeah. C'est dans, c'est pas une dette, c'est une dette. Hein. When you have seen some suffering, quand vous voyez you certaines are more choses, mature vous êtes plus mature. When you speak, quand vous parlez. Listen. Écoutez. Mike Murdoch. He was a virgin. Il était vierge. And I think he married another virgin. Il a marié une autre vierge. He said for 13 years. Il a dit pendant 13 ans. He had a good marriage. Il avait un très bon mariage. He said about 8 years. Et après oui après 8 perfect. Ans, c'était parfait. And another 5 years. Et après 5 ans. Not so perfect. Pas si parfait. Suddenly. Tout d'un coup. He used to have principles. Il avait des principes. 30 principles. 30 principes. Of a good marriage. D'un bon mariage. Keys to successful marriage. Et les clés pour un mariage réussi. How to be successful. Comment réussir. After your wedding. Après le mariage. And such messages. Et les messages comme ça. How to live happily ever after. Comment vivre heureusement pour le reste de sa vie. Un jour, the woman who was his first, la femme qui était son premier, and only, et seule, sweetheart, chérie, left him, l'a quitté. After 13 years. Après 13 ans. Up to today, he's not married. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas marié. Yeah, he's getting to 70. Il a atteint presque 10, he 70. He said that. Il a dit, all my theories, toutes mes théories and ideas, et mes idées, none of them was working. Rien ne marchait. It's true. C'est
C'est vrai. But when you are not mature, et quand vous n'êtes pas mature, you will not know. Vous ne saurez you will think pas. That once you know what is right, vous pensez que dès que vous connaissez ce qui est bon et vous le faites, it must work. Ça doit marcher. One day, un jour, I saw a very interesting book. J'ai vu un livre très intéressant. Called How the Mighty Fall. Intitulé Comment les vaillants tombent. Yes. And it gave five steps. Et ça a donné cinq étapes. To how are the mighty, how the mighty, how mighty people. It was not a Christian book. Comment, c'était pas un livre chrétien. How the mighty fall. Mais ça a donné cinq étapes pour montrer comment les vaillants tombaient. Le premier étape is hubris. Hubris born of success. Hubris né du succès. Hubris. Hubris. It's an English word. C'est un mot H-U-B-R-I-S. C'est un mot anglais. It means pride. Ça veut dire l'orgueil. And arrogance. Et l'orgueil. Born. Né. Out of your success. De votre succès. Wow. Hubris. Hubris. Born. Né. Of success. Du succès. He was saying the first. Il a dit le premier étape. Hubris. C'est l'hubris. Born of success. Né du succès. The second step, deuxième I'll étape, give you three of the steps. Je vais vous donner trois étapes. The second step to deuxième how étape the mighty fall. De comment les vaillants tombent. Is undisciplined pursuit of more. C'est une poursuite non disciplinée. And the third step de plus. To how the mighty fall. La troisième étape is denial of risks and perils. C'est nier les risques et les périls. Now, périls. Listen to me. Have you finished writing? Est-ce que vous avez fini d'écrire? He said every company, il a dit chaque compagnie, including this credit crisis, y compris ce all crise, of them have go through stage one. Ils sont passés tous two, par l'étape première stage étape, three, deuxième étape, stage four, troisième étape, stage five. Quatrième et cinquième and the first étape. Step is, et le premier étape est hubris, hubris born né of success, du succès. Which means ce qui your veut dire pride votre orgueil that has come to you qui vient, vous because vient of your success. À cause de votre succès. And he said that when you are in that stage, il a dit quand vous êtes dans cette étape, you always give teachings, vous donnez toujours les enseignements and explanations et les explications of why you are successful. De pourquoi vous avez he réussi. Said, during that stage, et pendant cette étape, you have teachings, vous avez des enseignements and principles, et des principes and steps, et des étapes and explanations et des explications of why de comment you are de pourquoi vous avez réussi. And he said that what people don't know, il a dit ce que les gens ne savent is pas that in every successful thing, c'est que dans toute chose qui a every réussi successful bank, toute banque qui réussit and business, et des affaires in the secular world, dans le monde whether it's séculaire Virgin Atlantic, peu importe si whatever, c'est Virgin Atlantic, he said that there is a large element of good luck, un élément très large de bonne chance in every success story, dans chaque histoire de réussite. Luck. You see, they don't believe chance in God. Ils ne croient pas en Dieu. So he was saying that there is an element il of dit, luck. Il y a un élément de chance. That it was successful. Pour lequel ça a réussi. And that element et cet élément is what the immature, ce que les immatures forget. Oublient. One day, un jour, have you heard of Virgin Atlantic? Est-ce que vous avez entendu parler de Virgin Atlantic? I told you about what they have written on je their aeroplane. Je vous ai parlé de ce qu'ils ont écrit A-A, sur l'avion B-A, AA, BA. No way. Pas de moyen. They interviewed him. Ils l'ont interviewé. He lives on an island. Il vit sur he un île. He has an island. The whole il island is for him. L'île est à lui. That is where he stays. C'est là où il vit. He has his own island. Il a une île he has à bought lui. A big island. Il a acheté une île. And he lives there. Et il vit là-bas. Yeah. Oui. And he was driving a boat. Il conduisait un bateau. A big boat. Un gros and there bateau were two journalists. Il y avait deux journalistes. And they were interviewing him. Et il l'interviewait. So they asked him, "You like sailing?" Ils ont dit, tu es, he vous, said, "Yeah, tu I go sometimes." Le naviguer. Listen to a millionaire, or unbeliever. Un millionnaire. No, they don't believe in God. Listen il to what he pas said. En Dieu. He said, il a dit, then they asked him, so what do you do when you're... He said, oh, qu'est-ce que vous faites? This boat, when I finish today, ce bateau, quand je finis I'm sending it to the harbor. Je l'envoie au port. They are going to rent it. Ils vont le louer. He said, I don't use any boat or anything that doesn't pay for itself. Je I can't use it alone because it's too expensive. Moi, je n'utilise rien qui ne paye pas pour lui-même. Je ne peux pas l'utiliser. He said, c'est it's trop too cher. Expensive. C'est trop cher.
to just park it there de for le me. Garer juste simplement là-bas. And then the journalist said, et le journaliste a dit, how can you say that? Comment est-ce que tu peux dire, vous pouvez dire ça? C'est trop cher. You are a multi-billionaire. Vous êtes un multimilliardaire. All this virgin, everything is for you. Tout ce qui est virgin, and it's so successful. Vous appartient. And the man said, et vous avez no. réussi là. L'homme a dit non. He said, il a dit, the fact that I am successful, le fait que je sois quelqu'un de réussi, c'est pas parce que je travaille said, dur. There are many people, il y a beaucoup de personnes who also work hard, qui travaillent aussi dur. But it has not worked for mais them. Ça n'a pas marché pour eux. So I have to be careful. Donc je dois faire attention what I have, avec ce que j'ai. Because being successful, parce que réussir, others are working harder, les gens travaillent plus working. Dur et ça ne marche so pas. There is, he was trying to say that grace, il essayait de parler de la grâce qui l'a fait marcher. Yeah. When you are immature, quand vous êtes immature, you have never seen a problem that you cannot control. Vous n'avez jamais vu un problème que vous ne pouvez pas contrôler. You will be giving steps. Vous allez donner des étapes. 7 keys to a successful marriage. 7 clés pour un mariage réussi. Number one. Numéro 1. Go for walks. Allez pour les promenades. With your wife. Faites des promenades avec ton époux. Number two. Numéro 2. Send text messages. Pour envoyer des textes, des messages. Of love. D'amour. Number three. Numéro 3. Write love notes. Il faut écrire des notes d'amour. Number 4. Numéro 4. Brush your teeth early in the morning. Brossez les dents tôt le matin. Before you try to kiss your. Avant d'essayer de s'embrasser. Number 5. Numéro 5. Do what? Faites quoi? Buy flowers. Achetez les fleurs. All sorts of theories. Toutes sortes de théories. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? But it is because c'est parce you don't que know. Vous ne savez pas. Sometimes you are a child, you see your father and your mother struggling. Parfois vous êtes enfant, vous voyez vos parents en train de se battre. And you say, "Your daddy, why?" Et vous dites, "Oh, papa, mais pourquoi?" Write love notes. Écris des notes d'amour. Smile. Souriez. Send text messages. Envoyez des messages par texte. Go for walks. Allez faire des promenades. Greet her at the door. Salue-la à la porte. Open the door for her. Ouvre la porte pour elle. Welcome her. Il faut l'accueillir. Be romantic. Sois romantique. Everything will work. Tout marchera when bien. You are been there for some time, quand vous êtes là pendant un moment, you see that you leave the love notes. Vous verrez que vous allez laisser les notes you d'amour. Send a text. Vous allez envoyer des textes. Hi, baby. Salut, bébé. I miss you, pas. Tu me manques, pas. Imum. Imum. It's not the same without you, cry. Ce n'est pas pareil avec toi. Entina. C'est pourquoi I know that I love you. Je sais que je t'aime, pas. But what will you get in return? Mais qu'est-ce que vous allez recevoir en retour? They will write, I see. Ils vont écrire, je vois. I see. I see. Je vois. I see. Je vois. Hey. Hey. One day I got a text. Un jour j'ai reçu un texte. I see. Je vois. It paid me. Ah, ça m'a fait trop mal. Hey. I see. Je vois. I see. Je vois. It's one of the most painful texts I've c'est ever received in my life. C'est le message le plus douloureux que j'ai jamais reçu. Je vois. I see. Je vois. Ooh. I see. Je vois. Send a message. Tu envoies un message. We are doing this. On fait ceci. We are happy. Nous sommes contents. This is happening. Ça, that is happening. Passe. Ça this passe. And that and that. Et ceci, we are cela. The camp. It camp. Is working. C'est, ça marche. You get a reply. Tu reçois une réponse. See. Je vois. What a shock. Quel choc. Anyway, so sometimes God will allow you to some parfois uncontrollables. Dieu permet certaines choses non contrôlables. So that you not say that it's, you need these four steps. Pourquoi vous ne disiez pas vous avez you besoin yourself des quatre will know étapes. Vous-même vous saurez that que it's not just by principles. C'est pas seulement par les principes. And there are other things. Il y a d'autres choses. Amen. Amen. Are you there? Vous êtes là. Are you listening? Est-ce que vous stand to your feet. Levez-vous. Tomorrow the morning, demain matin, we are going to finish this 14. Nous allons terminer ces 14. What is it? 14 reasons. Raisons pour lesquelles why we must suffer. Nous devons souffrir. And then we are done for the camp. Et amen. Nous aurons terminé le camp. Hallelujah. Hallelujah. When you are not experienced, quand vous n'êtes pas expérimenté, you see a pastor, vous allez voir un pasteur whose church has 27 members. Et ses membres, il a 27 membres. And you will say, vous allez dire, why? Pourquoi? Why? Pourquoi?
You must go for prayer walks. Il faut aller faire des marches de prière, des promenades de prière. Do you interact? Est-ce que tu fais des échanges? You pray? Est-ce que tu pries? You do this? Tu fais ceci? You do that? Tu fais cela? Hey! But you don't know that. Mais vous ne savez pas unless que the Lord build the house, si l'Éternel ne construit all pas, those ideas toutes ces idées are not going to work. Ne vont pas marcher. Amen. Amen. One day, un jour, I saw a brother. J'ai vu un certain frère. He was smoking. Il fumait. Drinking. Il buvait. Taking drugs. Il prenait la drogue. I was advising him. Je le conseillais. Do this. Fais ceci. Pray in tongues. Prie en langue. Come. So viens. I said, come. J'ai dit viens. He came. I prayed for him. Il est venu. J'ai prié pour lui. He started speaking in tongues. Il a commencé à prier en langue. J'ai dit prie en langue. But after praying in tongues, mais après avoir prié en langue, he's going to smoke. Il est parti fumer. Drink. Boire. Drugs. La drogue. Stealing. Voler. Every day. Tous les jours. One day God told me. Un jour Dieu m'a dit. My friend. Mon ami. Not everybody. C'est pas tout le monde. Can do it. Peut le faire. I was surprised. J'étais étonné. Because as for me, I thought. Parce que moi, j'ai pensé. These are the seven steps. Ce sont les sept étapes. To a decent life. Une vie décente. Number one, pray. Numéro un, prier. Number two. Numéro deux. Pull yourself together. Oh, come on. Number three. Hein? Numéro trois. Read your Bible. Number four. Trois. Lisez la Bible. Decide to suffer. Quatrième. Number five. Décider à souffrir. Accept the will of God. Numéro 5, accepter number la six, volonté de Dieu. 6, follow through. Il faut continuer. Faut and suivre. Number 7, et 7, receive the victory. Recevez la victoire. What a shock. Quel choc. But some people cannot mais do certaines it. Personnes ne peuvent pas le faire. Yeah, it's true. C'est vrai. If you are a pastor, you see. Quand vous êtes pasteur, some people you preach at, vous allez prêcher jusqu'à ils ne vont jamais comprendre never ce que vous dites. Oh. They don't have understanding. Ils n'ont pas la compréhension. They are salted lands. Ils sont le sol, la terre salée. And you will know. So instead of being surprised, au lieu d'être étonné, why are you divorcing? Pourquoi vous êtes en train de vous divorcer? Why are you divorcing? Pourquoi vous vous divorcez? How can you divorce? Pourquoi? Comment ça? How can you divorce? Comment? You haven't seen some. Parce que vous n'avez rien vu. Your brother's quand house. Voyez, burning. La maison de votre frère brûlée. His beard is burning. Go and fetch water. Sa barbe en train de brûler. And put a cap. Va chercher know de l'eau et mettre ça dans une coupe. Vous ne saurez jamais. When yours will start, catch quand fire. La vôtre va commencer à brûler. Amen. Amen. Are you listening? Est-ce que vous m'entendez? When you see a bad wind blowing, quand vous voyez un vent mauvais souffler, the wind can turn this way. Le vent peut tourner. Before you realize, this place is smelling. Avant de vous rendre compte, cet endroit sent mauvais. Yeah, the bad wind that blew in Côte d'Ivoire. Le vent mauvais qui can blow in Ghana too. En Côte d'Ivoire peut souffler aussi au Ghana. So if Ghanaians are saying, oh, donc si les Ghanéens disent, why? Mais pourquoi? Seven steps to. Sept étapes. Peaceful. Pour elections. Des élections. Number one. Numéro un. Accept defeat. Accepter le défaite. Number two. Numéro count deux, the ballot boxes faut compter les voix correctement. Number three, troisième, have a good judiciary system. Avoir un système judiciaire number bien. Four, numéro quatre, get foreign observers. Il faut avoir des observateurs number five, étrangers. Have only numéro cinq, intelligent presidential candidates. Il faut avoir des candidats intelligents seulement. You can. Gbagbo, is he not intelligent? Gbagbo n'est-il pas intelligent? Which school did he go to? Il est parti dans quelle école? What is the name of that university? Sorbonne. Sorbonne. Yeah. Is it not the Oxford of the... Oui. Yeah. C'est that's Oxford where he de la France. Ouattara is very intelligent. Ouattara aussi, il est très intelligent. Yeah. Go and see the Bola in Abidjan. Faut aller voir les ordures à Abidjan. You would think they've never been to Paris before. Vous allez croire qu'ils n'ont jamais visité Paris. Go and see the rubbish in Abidjan. Les ordures. Rubbish. You would think that vous such pensez, people have never been to Paris. Vous allez penser qu'ils n'ont jamais visité Paris. Yeah. Lord have mercy. Seigneur ait pitié. So all those principles. Donc tous ces principes. That it's not working like vous verrez that que ça ne fonctionne pas then comme you see ça. That you become mature. Vous verrez que vous devenez mature. You are less likely to be correcting people in a way. Vous serez moins prêt so à corriger les gens. Donc souffrir, important. C'est important.
for us pour nous to be mature. D'être mature. That's why you prefer to meet a mature person. C'est pourquoi vous préférez rencontrer quelqu'un de mature dans le when jour you meet du a jugement. Mature person quand vous rencontrez quelqu'un de mature judgment, dans le jour he will du take jugement, his time with you. Il va prendre son temps avec vous. When President Rawlings came to Ghana, quand président Rawlings est venu au Ghana, il avait 29 ans. He was not mature. Il n'était pas mature. Yeah. He said, arrest this one. Il a dit arrêtez celui-ci. Stolen. Il a volé. Stolen. Il a volé. It's stolen. Ici, il a volé. Cut off. Il faut les couper. They killed them. Ils les ont tués. Practically on television. Vrai à la télé en direct. With white shorts and white shirts. Short blanc et three t-shirt presidents. Blanc. Trois présidents. My father, he arrested mon père, him. Il a été. On television. À la put him télé. In the prison. Filming inside the cell. Ils l'ont filmé. Dans les cellules, 7 o'clock news. Les informations de 19 heures. A very important person. Une personne très they importante. Disgraced. They went inside the film him. Ils like sont entrés dans la prison pour and le filmer. Put it on Ghana news headline first one, 7 o'clock and 9 o'clock news. Sur les informations à 21 heures et à my 19 father, heures. Mon père. When he came out, he became sick. Quand il est sorti, and il he était died. Tombé malade et il est mort. Yeah. Oui. When you are not mature, vous voyez, quand vous n'êtes pas mature, you will just be doing such things. Vous allez faire certaines choses, yeah. Ces choses. But later on, mais après, when you are more mature, vous êtes plus mature, you realize this thing you are about to do, vous allez vous rendre compte que ces choses que your vous faites, own son vos propres fils, votre propre will fils will be doing worse. Fera pire. Now, with what will you do? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Yeah. So pray that when you go for judgment, donc priez pour que le jour, au jour du jugement, you meet a mature person. Vous allez rencontrer quelqu'un de mature. Yeah. Sure. One day, un jour, a pastor found a thief. Un pasteur a trouvé un voleur. And he told me, I'm going to sack this guy. Il a dit, je vais le virer. And I said, take your time. J'ai dit, prends le temps. Said it's a thief. Il a dit non, c'est un voleur. So I told him. Je lui ai dit. Your secretary came to confess votre to me. Votre secrétaire est venu se confesser à moi. Last week. Il y a une semaine. That she has also been stealing elle your aussi, money. Elle aussi, a volé ton argent. I have the message here. J'ai le message ici. And then your other assistant. Et ton assistant aussi. Also informed. Il m'a aussi informé. Me that he has also que lui aussi, fallen into this temptation. Il est tombé aussi dans cette tentation. Two. Deux. Immediately he became weak. Immédiatement il se sentait faible. He didn't know what to do again. Il savait plus quoi faire. Yeah. Are you going to sack all of them? Vous allez tout virer tout le monde? So pray that you meet a mature person. Afin que so some of you are not mature yet. Certains d'entre vous n'êtes pas encore mature. Sister with the red hair. La sœur avec les cheveux rouges. Wow. I've not seen some before. That's why moi, I'm so excited. Je n'ai jamais vu ça, c'est pourquoi je le dis. Maybe she thinks that when she does this red hair. Peut-être elle pense que en faisant ses cheveux comme ça. Very nice handsome brother is going to come. Un très gentil garçon va la découvrir. Step number one. Étape numéro 1. Have red hair. Avoir des cheveux rouges. Step number 2. Étape numéro 2. Have orange and black trousers. Et porter des pantalons noirs et oranges. Wow. But there are people who are wearing blue and purple. Il y a des gens qui portent le bleu still, et le marron. Still, they are not getting marron, some. Et c'est pas, ils ne trouvent toujours pas. Yes. So the mighty fall. The donc, mighty. Les vaillants tombent. They fall. Ils tombent. Because when they are successful. Parce que quand ils réussissent. They think that. Ils pensent. It is these things. Que ce sont ces choses. If Lighthouse is working, like, people ask, how are you able to do this? Les gens demandent pourquoi, comment Lighthouse arrive à faire ces choses. There are people who are doing all that I'm doing. Les gens font tout ce que je fais. And more. Et plus it's même. It's not working. Ça ne marche I pas. I can tell you. Je vous dis. So the grace of God. Donc c'est la grâce. It's under everything. C'est en dessous. How are you able to have a happy marriage? Comment est-ce que vous pouvez avoir there un mariage who are sending réussi? Love notes. Il y a des gens qui envoient des notes d'amour. Flowers. Des fleurs. Text messages. Des text messages. Everything. Tout. It's not working. Ça ne marche pas. Yeah. It's true. C'est vrai. Sometimes when you see your father, parfois quand vous voyez votre and père, say, oh, father. Et vous dites père, why? Oh père, pourquoi? One day, un jour, my father said something. Mon père a dit quelque before chose he died. Avant de mourir.
I saw him having a certain crisis. Je l'ai vu avoir traversé une certaine crise. He never said anything. Il n'a jamais rien dit. One day, un jour, he turned to me and said, il s'est tourné vers moi. It is not as you think. Il dit, ce n'est pas ce que tu penses. C'est tout. It is not as you think. Ce n'est pas comme tu penses. That is all he said. C'est tout. C'est ce qu'il, tout ce qu'il a dit. It is not as you think. Ce n'est pas comme tu le penses. Yeah. It's a sentence. C'est une phrase. With a meaning. Avec une signification. It is not as you think. Ce n'est pas comme tu le penses. Yeah. And you will find out. Et tu vas découvrir. It's not as you think. C'est pas comme tu le vois. It is not. C'est pas du tout comme tu le penses. You become cooler. Tu deviens plus calme. Mature. Plus mature. Mellow. Calme. Flowing. Vous suivez le flow. Careful. Vous êtes attentionné. Faites attention dans votre jugement. In the day of your judgment, priez afin que dans le jour du jugement, vous allez rencontrer quelqu'un de mature who has suffered before. Qui a souffert auparavant. Yeah. Who has suffered before. Qui a souffert auparavant. Yeah. Oui. Who has suffered before. Qui a souffert auparavant. That's why Christ came to suffer. C'est pourquoi Christ est venu souffrir. When he sees Dr. Ogo, quand il voit Dr. Ogo, he will understand him. Il le comprend. So understand what he's going through. Il comprend ce qu'il traverse. It's not as you think. C'est pas ce que tu penses. It's true. C'est vrai. It's not as you think. C'est pas comme tu le penses. It's not as you think. C'est pas du tout comme tu There le penses. Other things. Il y a d'autres choses. But when you meet a mature, quand tu vois quelqu'un, tu rencontres quelqu'un de mature, il te comprend. It's not as you think. Il comprend que c'est pas comme tu le it's penses. It's not as you think. Pas comme tu le penses. There are other things. Mais il y a d'autres choses that are also working. Qui marchent aussi. Amen. Amen. That is why I have suffered. C'est pourquoi moi j'ai souffert. One day I was with an older pastor. Un jour j'étais avec un vieux pasteur. And I was talking to him et like je parlais a colleague. Je lui parlais comme un collègue. And he became interested in me. Et il s'est intéressé Then à moi. Then he took his phone number. Et il a pris he son said, numéro de téléphone. Anytime you are in this country. Il a dit quand vous êtes dans ce pays. Call me. Appelle-moi. I want to be your friend. Je veux être votre ami. I'm more than 20 years younger than him. Je suis plus de 20 ans moins jeune I que came lui. Back. Quand je suis revenu, he called me. Il m'a appelé. I called him. Je l'ai appelé. He said, I want to have lunch with you. Il a dit, je veux manger avec I ate with him. J'ai mangé avec lui. Many times. Plusieurs fois. I was talking to him. Je parlais avec lui. He's far older. Il est plus âgé. Far de loin, ahead. De loin. Far ahead. Il dépasse de loin. I should never have been his friend. Je ne devais pas être son And ami. I was thinking, et je pensais, why am I able to relate with this man? Comment est-ce que je peux échanger avec cet homme? And I realized that je me suis rendu compte, it is only because of troubles. C'est seulement à cause des problèmes that have made me mature in qui m'ont some areas. Rendu un peu plus mature dans certains domaines. C'est pourquoi je peux some lui parler. I can't talk to you about a lot of normalement, things. Je ne peux pas vous parler de beaucoup say, de you choses. Think I'm backsliding. Si je parle de ça, vous allez you penser que j'ai rétrogradé. Vous ne comprendrez so I'm waiting pas. For you donc, je vous attends to suffer. Pour que vous souffriez. When you suffer, quand vous souffrez un peu, and we can sit down and on talk. Peut s'asseoir et parler. Wow! Some of you, I'm just waiting for you to suffer. Certains d'entre vous, j'attends seulement que vous souffriez un Then peu. Then we become friends. Et on sera we'll amis. Be closer. Nous serons plus proches. Come closer to me. Approche-toi de moi. Closer. Approche-toi de I'm moi. I'm waiting for you to start your church. J'attends que tu commences l'église. And struggle. Et tu vas te battre un peu. I'm waiting for you to have one orangu. J'attends que tu expérimentes one un Judas. Orangu. Un Judas. Judas Iscariot. Judas Iscariot. Then you will look to me and say, et tu vas me regarder, tu vas dire, évêque. Ha! Ah! Is this what you've been through? C'est ce que tu as traversé? I really love you, Bishop. Je t'aime trop, Bishop. I want to be closer to you. Sorry. Je veux m'approcher de toi. Because your suffering has Parce made you more mature. So you become plus mature. Closer to mature tu people. Tu deviens plus proche des gens matures. One day I was sitting down with about 7 pastors. Un jour, j'étais assis avec 7 pasteurs. And then one of them said a problem that he had. Et un a raconté un problème qu'il avait. After he finished saying all his problems, après avoir parlé de ses problèmes, I said, come. J'ai dit, viens. And I took him je lui ai pris to another place. Dans une autre chambre. And I sat down with him. J'étais assis avec lui. I told him, the problem je lui ai you dit, have le problème que tu as, that you were saying, que tu disais, I have the same one. J'ai la même chose. I cannot say it to those other people. Je ne peux pas le dire aux autres. They have not had the problem that you have. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté But ce problème. I've seen that you have Mais that problem, une fois que j'ai vu que tu as ce problème, I'm welcoming you to the je association je t'accueille. Of je te reçois dans l'association.
association. C'est une association. It's a private, I'm the secretary. Je suis le secrétaire de l'association. It's a secret society. C'est une société secrète. It's true. There are some things. Il y a des you choses. Say your name is what? Tu dis que tu t'appelles Kevin. Comment, Kevin? I cannot chat with you about je something. Je peux pas parler when you sit down to talk, you don't understand. I don't understand. So, what is quand Bishop saying? Soir, no, tu what do you mean comprendre. By what are you saying? Tu veux dire quoi, Bishop? Uh-huh. Oui. And I'm waiting for you to come. J'attends. Are you married? Tu es marié? Ah. Even marriage, when même you marry, mariage, quand tu te maries, we have seasons. Il y a des saisons. You may be going through season one. Peut-être la première saison. Season two. Saison deux. Season three. Saison trois. Season four. Saison quatre. But it's season seven. Mais il y a en, that c'est you see something saison sept que tu vas that voir you haven't seen before. Que tu n'as jamais vu auparavant. So even in season six, donc même en saison six, we are still not close. Nous ne sommes toujours pas proches. What a shock. Quel choc. Hubris born of success. Hubris né du succès. C'est hubris. Dites hubris. 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 Born of success. Né du succès. Arrogance. L'arrogance. That comes out of your qui success. Vient, qui sort merci. De votre réussite. When you are explaining your quand success. Quand vous expliquez with votre, steps, réussite, votre succès. Principles. Avec des étapes, des ideas. Principes et des idées. C'est secular book. C'est un livre séculaire. C'est pas un livre spirituel. How the mighty fall. Il explique comment les vaillants tombent. How God. What are the names? Lehman Brothers and all comment the banks. Les, how les all of them Lehman same, Brothers et tout aux États-Unis, les mêmes cinq always étapes. Number one. Toujours numéro un. Ubris. Why didn't you have an accident? Pourquoi vous n'aviez oh, pas because eu l'accident? I always put my seat belt. Parce que moi, je mets toujours oh, la ceinture. Because I always drive at 40 kilometers. Je roule toujours because à 40 I always kilomètres. Have a co-pilot. Parce que oh, j'ai because toujours I... un copilote. Ok. Ok. Hubris. Hubris. Born. Né. Of success. Du succès. Yeah. Small suffering une petite souffrance will remove those principles enlever ces souffrances and show you principes. That the race is not for the swift et vous montrer que la course n'est pas pour grace. Les rapides c'est Dieu qui a choisi you la grâce always grâce. Say by the that's why when people ask me, what is the secret of your success quand les gens vous demandent me demandent quel est le secret de ton what, succès what secret quel secret that question is a trick. Cette question, c'est un piège. That is one of the worst questions anybody can ask. What is the secret? C'est le pire des le plus pire des questions. As soon as they poser. Ask you, if you give a certain answer, cette question, ils vous donnent you have diagnosed réponse, as stage one. Vous êtes de, vous of how the mighty fall. Diagnostic you give de the principles. So there are six principles that are vous the keys. Il y a six principes to my successful ministry. Moi, je peux attribuer mon principle number one. Succès numéro un. Principle number two. Deuxième. Principle number three. Troisième. These are my six principles. Ce sont les six I principes use. Que j'utilise. It has brought me thus far. Ça m'a porté jusqu'ici. Immediately. Tout de suite. Satan will say, oh. Satan va dire, oh. 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 There is one there. Il y a un. You didn't know. Et vous ne saviez pas. Hubris. Hubris. So God allows you to donc suffer. Dieu permet à ce que vous souffrez. Yeah. One day. Un jour, I saw somebody j'ai vu quelqu'un experiencing happiness. Il expérimentait la joie. I felt something here. J'ai senti quelque chose ici. Something is coming. Quelque chose arrive. It will burst that ça bubble. Et éclater cette and make the person boule. Mature. Et va rendre I la felt sorry mature. For the person. J'ai eu pitié de cette personne. But I saw that it came. Mais j'ai coming. Vu que ça venait. He became mature. Et il est devenu mature. Yeah. So that's why God allows suffering. C'est to pourquoi perfect Dieu permet the captains. La souffrance pour perfectionner how many les here princes. Are captains? Combien sont les princes? Like captain of Togo? Le capitaine de like Togo. Like captain of where? Le capitaine de where? Où? Abelé. Abelé be captain. Abelé please. Abelé be captain. Something is coming. Quelque chose arrive. To make you mature. Pour vous rendre mature. So take your cardigans. Donc il faut prendre les pulls. And prepare. Et préparez-vous. Don't prepare for happiness. Faut pas préparer pour la joie. Prepare to suffer. Préparez-vous à la souffrance. God will take you through. Mais Dieu va vous aider à traverser. Amen. Amen. God will take. Why are you not married? Pourquoi vous n'êtes pas marié? Oh, these are the three keys to mais get a beloved. Mais ce sont les trois clés pour avoir un bien-aimé. That's how, those are the three keys I used to get my beloved. Ce sont les trois clés que moi j'ai utilisées. If you follow these three keys, you si will always get si vous suivez ces trois clés, vous aurez toujours un bien-aimé. Ah. Hubris. Hubris. Tell somebody you are suffering from hubris. Dites à quelqu'un, vous souffrez de l'hubris. Hubris.
shake your neighbor's hand and say, "Are you one of the captains of salvation?" Prenez la main de votre voisin. Dites, est-ce que vous faites partie des princes? Expect some sufferings. Attendez des souffrances. To make you mature. Pour vous rendre mature et parfait. Father, thank you for your blessing. Père, merci pour ta bénédiction. Of your healing power. Et de ta puissance qui nous rend mature. Bless us. Bénis-nous. And as we come to the conclusion of this great francophone camp, et alors que on vient à la conclusion de your great power, quand francophone, be released, ta puissance soit relâchée over our lives, sur nos vies, we thank you. Nous te remercions. We love you. Nous t'aimons. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. And everyone said amen. Et tout le monde dit amen. Amen.